Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mélanger des violets, des mauves et des pourpres. Pour mélanger des violets, c'est très simple. Il faut prendre un bleu, mélanger avec le rouge et ça va vous donner du violet. Mais quel rouge et quel bleu peuvent vraiment avoir un impact sur le violet que vous faites? Alors, je vous ai préparé une charte comme ça pour vous montrer tous les différents violets qui sont possibles à faire. Si vous avez un rouge alizarin ou un rouge de camium, ça va vous donner des violets complètement différents et aussi dépendants des bleus que vous allez faire. Alors, on va préparer une charte comme ça ensemble pour vraiment connaître les violets et les mauves qu'on peut produire. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Angèle. Je donne des cours de peinture à l'acrylique et à l'huile pour tous les niveaux et tous les styles. Si vous voulez en savoir davantage sur mes cours, vous pouvez aller voir le lien qui est dans la description de la vidéo. Et si vous aimez cette vidéo, faites un j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Ça m'encourage énormément. Pour faire du violet, il s'agit de mélanger du rouge et du bleu. Mais dépendant du rouge que vous avez ou des rouges que vous voulez mélanger et les bleus que vous allez mélanger, vous allez faire différentes sortes de mauves. Alors, je me suis dit que j'étais pour me faire un aide-mémoire pour montrer tous les différents violets et mauves qu'on peut faire en changeant les différents rouges. J'ai un rouge de cramoisi alizarin, un rouge de camium, un rouge magenta et un rouge quinachydrome magenta. J'ai aussi un bleu cérulien, un bleu turquoise cobalt, un bleu cobalt, outremer, un bleu phtalo et un bleu de Prusse. Et on va procéder à remplir toutes nos cases et faire différents violets et on va voir ce que ça donne. Alors ici, je vais sortir mon rouge alizarin. Et on va voir avec ici c'est le bleu cérulium phtalo. On a le cobalt turquoise. On a le bleu cobalt. Et on a ici le bleu outremer. Je vais commencer avec les rouges de camium. Je vais essayer de voir les mélanges pour savoir si les quantités sont bonnes. Donc, le rouge cramoisi alizarin donne un très beau mauve. Je vais rajouter juste un peu plus de rouge. Et pour vraiment tester la couleur, je vais rajouter un tout petit peu de blanc à ma couleur. Ça donne un violet qui a un ton de gris dedans. Avec le turquoise cobalt et le rouge alizarin, je vais rajouter un tout petit peu plus de cobalt. Je pense que j'en ai mis un peu trop. Et on va rajouter un tout petit peu de blanc. Le cobalt avec le rouge alizarin. On va rajouter un tout petit peu de blanc. Ouh, on a vraiment un beau violet ici. Le bleu outremer avec le rouge cramoisi alizarin. Je vais rajouter un peu de blanc. Ça vous donne vraiment un beau mauve, un beau violet. Ici, on a le bleu avec le bleu phtalocyanine et le rouge cramoisi. Je pense que j'en ai mis un peu trop. Je vais rajouter un tout petit peu plus de rouge. Et on va rajouter un petit peu de blanc pour voir la couleur. Oh, on voit ici que le rapport avec le rouge n'est pas égal. Je vais rajouter un peu plus de rouge.
Ici, le rouge à cramoisi à l'isarine avec le bleu de Prusse. Le bleu de Prusse, c'est un bleu qui est très foncé. Je vais rajouter un peu plus de rouge. À mon œil, quand je le regarde présentement, c'est vraiment noir, mais en mettant le blanc, on va voir la couleur. Et les pigments du bleu de Prusse sont beaucoup plus forts que le rouge alizarin. Alors, je vais rajouter plus de rouge alizarin. Même avec ça, c'est très bleuté. Mauve qui est un peu plus gris. Ici, on a le rouge de camium qui est un petit peu orangé avec le bleu cérulien. Le bleu cérulien, il ne paraît pas du tout. On va en rajouter. Je vais en rajouter ici aussi. On rajoute du blanc. Ça nous fait quasiment un brun gris. Le cobalt turquoise avec le rouge de camium. Ça ne nous donne pas tellement un beau violet, ça donne vraiment un brun plutôt à cause des teintes de vert et les teintes d'orangé. Ça donne des recettes pour faire des bruns. Vert et orange ensemble va vous faire un brun. Ici, on a le bleu cobalt et le rouge de camium. Je vais rajouter un peu plus de bleu de cobalt. On va rajouter du blanc. On commence à avoir quelque chose qui ressemble entre un brun et un violet. Ici, on a le bleu outre-mer. Je pense que je vais rajouter un peu plus de bleu. On a le bleu outre-mer et le rouge de camium. Ça a quasiment l'air la couleur d'un chocolat foncé. Et je vais rajouter du blanc. Ça fait un violet qui tire sur le brun. On a le bleu phallo et le rouge de camium. Prends un peu de blanc. C'est comme un bleu gris. C'est vrai qu'il manque un peu de rouge. Ici, on a le bleu de Prusse avec le rouge de camium. Je vais rajouter un peu plus de camium. Oups, on a un tout petit peu de contamination. Et je vais rajouter du blanc. Ça donne un violet grisâtre, très grisâtre, plus un brun gris bleuté plutôt qu'un mauve. Ici, on a la couleur magenta et le bleu cérulien. Je vais rajouter un tout petit peu de bleu phallo ici. Oups, un petit peu trop. Donc, avec le magenta et les différents bleus, on va voir quel genre de violet on peut faire. Avec un peu de blanc. Ouh, ça commence à être plus vivant comme violet. Le turquoise cobalt et le magenta. On va rajouter un petit peu de blanc. Je pense que ce serait plus beau si on rajouterait plus de magenta un peu. Ici, on a le magenta avec le bleu cobalt. On va rajouter un peu de blanc. Ouh, ça c'est un beau violet. Pour que vous puissiez voir les couleurs mieux.
avec le magenta et le bleu outre-mer. Un petit peu de blanc. Il manque un peu de magenta. Le rouge magenta avec le bleu phallo. Ça va prendre un peu plus de rouge. Le magenta avec le bleu de Prusse. On ne voit vraiment pas le magenta sortir d'ici. Alors, je vais en rajouter. Je vais rajouter du magenta pour essayer d'équilibrer les couleurs. Certains pigments sont plus faibles que d'autres. Et dans le cas du bleu de Prusse, c'est une couleur qui teint énormément. Ici, j'ai le magenta quinachydrome. Je vais en rajouter un peu. Et il manque le bleu phtalo ici. Le quinachydrome avec le bleu cérulien. Oh, ça fait un très, très beau violet. On rajoute un peu plus de bleu. Ça fait un très, très beau violet. Ici, le turquoise cobalt avec le quinachydrome magenta. Ici, on a le bleu cobalt avec le quinachydrome magenta. Et on rajoute un petit peu de blanc pour voir. On voit vraiment que le quinachydrome magenta fait des violets très, très vivants. Ici, c'est le bleu outre-mer avec le quinachydrome. Encore là, un très beau violet. Avec le bleu phtalo et le rouge magenta. Ici, on a le bleu de Prusse avec le rouge magenta. Je vais en prendre moins de bleu de Prusse parce que c'est une couleur qui teint énormément. Très, très forte. Une couleur très, très forte. Avec du blanc. On va rajouter un petit peu de magenta, voir si on est capable de rendre plus rosé. Voilà. Et avec un peu plus de blanc. Donc voilà toutes les mauves, les pourpres, les violets que vous pouvez faire juste en variant les bleus et les rouges que vous avez. Vous pouvez vous faire une charte comme ça qui va vous montrer vraiment la différence. Quand le rouge est orangé, on voit que les violets, c'est plus des bruns. Quand on a des rouges, que les couleurs, c'est des rouges qui sont froids, comme le rouge alizarin ou les magenta qui sont des rouges très froids, on a des violets beaucoup plus violacés, je pourrais dire. Je trouve pas le bon mot, mais c'est des violets qui sont plus comme on l'imagine. Mais les rouges de camium mélangés avec les différents bleus, ça fait des violets qui tirent sur le brun. Celui-ci, c'est comme entre les deux. Avec le rouge crimson alizarin, on a des violets qui sont un peu plus grisous. Ils ont plus de gris dedans. Ceux-là, c'est plus des violets vraiment vivants avec les magenta. Puis le quinachydrome magenta donne, avec les différents bleus, donne vraiment des violets plus comme raisin dans le fond. Alors voilà pour les différents violets. Vous pouvez vous faire une charte comme ça
pour avoir votre aide mémoire, savoir c'est quoi vos mélanges entre vos couleurs, qu'est-ce qu'ils font.